Pour une autre séance de cours de musique, mais de théorie musicale. Ok, donc j'en ai dit là, donc pour ça c'est un cours de théorie musicale, mais qui a suivi tout avec pratique instrumentale. Ok, pour quel que soit monde, quel que soit pays, donc depuis vous parlez même langue ensemble avec nous, depuis vous comprendre nous. Donc, non, tant qu'il pas trop long. Et vous avez commencé à prendre le premier morceau sur le piano, ou bien sur le keyboard, sur la guitare, vous avez fait ça. Et songez nous dire que, et pour ça, nous faisons pour débutants. C'est un cours pour débutants, pour le monde qui a à peine initié dans la musique, ou bien pour le monde qui a une lacune déjà dans la musique. Ça veut dire des monde qui sont musiciens, ou bien qui sont instrumentistes, mais malheureusement qui n'ont jamais eu connaissance théorique là. Donc c'est notre objectif ça nous fait pour que nous capables partager avec moun sa yo et tout nouveau débutant dans la musique et moyen pour yo capable venir de vrai professionnel en musique. Ou capable aller loin avec lui, ou capable aller loin avec lui et mais faut qu'on capable interpréter, faut qu'on capable écrire, faut qu'on transmettre, faut qu'on capable exécuter. Et parce que en tant que science, c'est une science exacte, donc il faut qu'on connaisse que la musique classique est une science exacte. Et l'autre bagage que la musique classique est un langage universel. Et ça fait bien pile. Et musique qui conduit aussi musicien, mais si vous longez une partition devant vous pour exécuter, donc il n'y a aucun problème pour exécuter. Et ça qu'on fait tout parfois, vous gênez, vous sentez que vous diminuez dans ce sens. Mais le problème là, c'est parce que vous n'avez pas gagné. Connaissance de manière théorique de ou bien scientifique de domaine ça qui c'est la musique. Donc nous pas faire pile parler. Ou capable toujours participer avec nous comme étudiant actif ou bien étudiant passif, ça veut dire il y a un monde qui cap suivre cours mais qui pas nécessité que yo suivre, qui pas nécessité que yo contrôler comment la pas avancer dans cours. Mais si vous souhaitez et suivre pour être un étudiant actif, donc nous avons enregistré et nous contacté nous pour enregistrer dans la bonne modalité. Et puis après ça, dans le bon document, et chaque mois ou bien chaque semaine, nous avons un devoir pour que nous soyons capables de comment on va aller avec quoi, comment on va avancer, et nous même faire nos jeunes devoirs à eux, et nous même pour nous. Corriger pour nous donner un résultat, pour nous voir un résultat et faire un panorama pour vous jusqu'à ce que nous t'as censé achever cours de base de théorie musicale. Ok? Donc, j'en ai dit avant dans le premier cours là, et nous avons dit que la musique c'est la science des sons combinée avec soin. D'une manière agréable à l'oreille pour donner du rythme, pour donner du rythme, de la mélodie, et l'harmonie. Donc, trois saillots, ce sont les trois grands piliers de la musique. Les trois grands piliers de la musique. Ok? Et à part de tes définitions, nous sommes pour la musique là. Donc, vous divisez la musique en deux parties. Mais c'est censé en trois parties liées. Donc, là, on ne va pas parler de lui. Mais c'est deux parties. Ok? Et vous avez la musique là. Musique à diviser en deux parties. Premièrement, il parle de musique vocale. Et deuxièmement, il parle de musique vocale. Deuxièmement, il parle de musique instrumentale.
instrumental. Ok. Ok. Mais musique à capabto à la fois les deux. Donc ça fait le deux et une troisième partie. Ok. Donc il est capable à la fois les deux. Et musique est capable à la fois vocale et instrumentale. Les ça, moi qui ai une musique mixte. Donc ça veut dire, il y a à la fois les deux. Ok? Et une musique vocale, c'est même genre avec nos connouets et pour la capella, ou bien groupe petit monsieur qui a chanté sans un accompagnement d'instrument, ou bien groupe mesdames qui a chanté sans un accompagnement d'instrument, donc on sait il y a produit de musique instrumentale, de musique vocale, il y a produit de musique vocale. Ok? Mais musique à capable toi instrumentale, donc c'est l'aime pas une voix du tout. C'est l'aime qui a gagné une guitare seulement qui a joué, qui a gagné un sax seulement qui a joué, et qui a gagné un keyboard ou bien un piano seulement qui a joué, ou bien un violon seulement qui a joué, ou bien un ensemble d'instruments. Cap jouer tant qu'au orchestre philharmonique ou les ça là mon affaire avec de musique instrumentale là ça c'est musique instrumentale qu'a produit mais les mien musique mix musique les musique la mix là mien tous les deux qu'a produit bien musique vocale là qu'a produit bien un chanteur ou bien une chanteuse qu'a chanté et puis bien un groupe d'instruments qui a accompagné ou bien qu'a bien un choral qu'a chanté et puis bien un groupe de musiciens instrumentistes cap accompagner. Donc laisse ça musique là les mix. Laisse ça musique là les mix. OK, nous sommes tout à l'heure donc ça c'est toi Gabriel pour la musique. OK, donc nous va parler éterniser nous sur mais puis devant nous pas avancer sur yo au fur et à mesure. OK. Donc, je pense que si on parle de musique vocale, on va comprendre qui cette musique vocale. Si on parle de musique instrumentale, on va comprendre cette musique instrumentale. Si on parle de musique mix, on va comprendre ça. Il y a une musique qui mixe. Ok? Allez-y, et les instrumentales à produit et vocal ensemble à produit. Donc, dans des salles, et ça faut qu'on voit des maestros ou bien des monde qui fait musique. Yo seulement c'est de vocaliser, ça veut dire qu'on fait musique vocale seulement. On fait musique vocale seulement. Tant que nous prenons maestro, un choralio et a cappella qui fait de musique vocale seulement, mais qui pas joue instrument. Quand ça trouve qu'un jeune, il y a un peu de musicien tout qui fait musique instrumentale, qui fait instrumentale, mais il n'a pas fait vocal. Mais moi, bon Dieu, je fais grâce. Donc. Je fais tous les deux, je fais musique vocale et je fais musique instrumentale. Donc, musique, je suis capable. Et je fais quoi là avec lui? Donc, je joue lui comme pianiste, je joue lui comme arrangeur tout. Ok? Et il est toujours bon, il est capable de faire tous les deux. Laisse ça. Ou pas censé gagner limite. Ça veut dire ou pas être un côté, donc tu as besoin d'aide comme vocaliste pour pas capable. Dans harmonisation, dans arrangement voix pour pas capable. Tu as besoin tout pour jouer tout pour pas capable. Donc ça veut dire faut qu'à jouer très bien, faut qu'à faire arrangement voix tout très bien. OK? Donc maintenant pour ça nous parlons tout ça, n'a pas une possibilité pour nous faire tout ça. Si on monde décide de faire musique vocale, ou ap ka fè musique vocale, ça veut dire ou ap ka fè chant. Ou ap ka fè chant ensemble avec nous. Ça fait. Et dans la page là, dans la même page de Rémi Facile là, nous avons une rubrique, c'est pour le chant. Ok? Ou bien la musique vocale. Ok? Donc ça, les mêmes, nous avons gagné tout un paquet de barrières qui ont suivi, un paquet de vidéos pour capable de monde à faire musique vocale. Et donnant solfier et donnant vocaliser, ok, et puis après ça et donnant chanter parole, ok, et c'est ça pour le fait que vous capable exécuter une partition de musique vocale, fait chorale dans quel que soit pays ou hier ou qu'a fait chorale, ok, mais faut que vous développez habilité
aptitude-là va aider pendant un cours de musique. Donc, tous les deux, ça est possible, mais tout va dépendre de qui focus ou gain, qui rêve ou bien qui côté vous voulez aller, qui sort vous voulez faire même. Est-ce que c'est musique vocale seulement vous voulez faire? Est-ce que c'est musique instrumentale seulement vous voulez faire? Ou bien est-ce que vous voulez faire tous les deux? Ok? Parce qu'on est capable de faire tous les deux. Mais pour faire tous les deux, il y a un sacrifice, il y a un prix. Ok? Donc, il faut d'accord payer le prix. Hein? Et il faut que ce soit un monde qui est vraiment déterminé. Parce que musique même, ce n'est pas tout le monde qui a fait musique. Ok? Ce n'est pas tout le monde qui a fait musique. Ok? Donc, il faut qu'on aime la musique pour faire musique. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a fait musique. Il faut qu'on aime la musique pour faire musique. Ok? Donc, m'a encouragé à faire ni musique vocale ni musique instrumentale. Ça fait un pile un petit monsieur qui fait musique instrumentale, mais qui voyage, mais qui est malheureusement pas capable de vendre service dans faire chorale ou bien faire musique vocale, faire chorale chanter, mais malheureusement il n'a pas développé habilité ça, habilité pour faire harmonisation ou bien pour exécuter un morceau. Une partition de musique vocale. Ok? Parce que les partitions de musique vocale, là, on a besoin d'instruments pour faire les, pour exécuter les. Ok? On a besoin d'instruments pour monter une voix, une partition et avec un choral. Donc, on a besoin de pour qu'on ait une tonalité, pour essayer de tonalité à juste. Parce qu'il y a des chorales, il y a un paquet de bails qui peuvent entrer en évidence. Est-ce que nous avons chanté dans tonalité originale que partition écrit a. Ok? Ça, les parlements de c'est pas. Si vous n'êtes pas capable de chanter la dernière, les parlements de que soit au descendre gamme là, ou plus qu'à descendre, ok? Pour que vous capable permettre que chaque voix, ok? Capable de raccommoder avec partie que vous même vous gagnez pour vous apprendre, pour interpréter, ou bien pour vous exécuter. Ok? Mais ça, c'est dans la musique vocale, ok? Dans la musique instrumentale, donc. Puis devant, pendant la fête théorie, de temps en temps, on a un petit briefing sur notre et puis mariage avec instrument. Et c'est ça qui va faire qu'on est capable d'avancer. Donc si vous avez un keyboard, Abdou commencez à mettre le keyboard ou près, si vous avez une guitare, mettez la guitare ou près. Et si vous avez un snare, pour commencer avec la batterie à ses snares d'abord, pour permettre que vous soyez capable de commencer avec lecture, exercice rythmique, parce que si je batterie, vous avez besoin de l'exercice rythmique. Sous-joueur du instrument, tout besoin en pile exercice rythmique pour qu'on ait Jean Notu exécuté une après l'autre. Ok? Et c'est ça qui va faire que vous pouvez interpréter un morceau dans un coup de temps rapide, rapide. Ok. Et nous avons dit que noir là, la noire, nous représentait l'unité de mesure. Pour mesurer les sons dans un morceau de musique. Ok? On se sert de la noire. La noire, c'est l'unité de mesure. La noire, l'unité de mesure. De mesure pour la musique. Pour la musique. Ok? Vous avez des mesures pour la musique. Mais sans noir là, et sans noir là, valeur libre est définie. Valeur libre est définie par le mouvement métronomique. Le mouvement métronomique, donc c'est lui qui peut le définir. Et valeur noire là, qui peut le définir en temps réel. Valeur noire là. Donc, j'en ai dit, mais là, le noir égale à 60. Le noir égale à 60. Ok. Il y aurait le mouvement métronomique. MM. Il y aurait le tout BPM. Hein? BPM, c'est battement par minute. Ok. L'ordre du noir là à 120 BPM. Il dit noir là à 120 battements par minute. Là, on dit noir là à 60 BPM, c'est 60 battements par minute. À valeur toujours régulière et exacte. Ok?
Même si elle 60, même 72, c'est à valeur régulière. Pas une qui plus longue, ni une qui plus courte. Donc c'est même valeur d'appui. Ok. Donc là, c'est BPM, hein? Battement par minute. Et puis, je dis tout, bit. Je dis tout, bit. Bit ou battement. Bit ou battement. Bit là, c'est anglais. Ok. C'est bit ou battement par minute. Nombre de bits ou bien nombre de battements par minute. Ça, c'est nombre de bits ou bien nombre de battements par minute. Donc, ensemble, là, il y a le mouvement métronomique. OK? Mouvement métronomique, c'est nombre de bits ou bien nombre de battements par minute. OK. Il y a utilisé la noire comme figure. Utiliser la noire comme figure. Ok? Pour égal à un temps. Ok? Un temps ou bien qui est égal à une seconde parce que c'est et en temps réel avec mouvement métronomique ça, il y a un noir là, égal à une seconde. Ok, durée c'est une seconde, n'est pas de ni plus petit, ni plus plus. Mais noir là, tout avec ensemble d'autres figures, yo et yo, c'est des figures du temps, des figures du temps, les figures du temps. Pour qui ça, les figures du temps? Parce qu'elles représentent, la, en temps réel, la durée des sons, ok? La noire représente, on l'appelle figure du temps parce qu'elle représente la durée des sons en temps réel. Ok? En temps réel, forme bien mouvement métronomique. Ok? Donc, si vous prenez son morceau, elle va gagner mouvement métronomique. Donc, c'est dit que vous avez libre arbitre pour jouer la vitesse ou vous. Parce que mouvement métronomique, là, même tout, c'est lui qui détermine vitesse morceau. Ok? Vitesse du morceau. Mouvement métronomique là, déterminer vitesse du morceau. Ok? Pour dire si morceau a pour aller lent, si morceau a pour aller vite. Autant que morceau a pour aller vite, BPM n'a pas augmenté. Autant que le pour aller lent, BPM là, ou bien battement par minute là, l'a diminué. Ok? N'a bien pour nous ça. Et très prochainement, dans ce qui bonne. Ok, nous allons faire une vidéo. Ok, pour décaler si bien, les morceaux allaient vite avec les morceaux allaient lent. Donc les morceaux allaient vite, temps ou bien durée des deux morceaux allaient plus court. Mais les vins lent, les morceaux jouent lent tout, deux morceaux allaient plus long. Changez figure ça, yo. La noire. Ok. Changez figure ça, la noire. La noire. Ok. Égal à un temps. Nous avons les figures du temps. Nous avons les figures du temps. Après la noire, nous voyons la blanche, nous avons lié. Nous avons avant, nous voyons la ronde. Ok. Deux temps. Quatre temps. Quatre temps de la noire. Deux temps de la noire. Quatre temps de la noire. La ronde, c'est quatre temps de la noire. La blanche, c'est deux temps de la noire. Ok. La gauche. La gauche, c'est un demi-temps de la noire, la poche, c'est une noire avec un crochet, un demi-temps de la noire, la double poche, c'est un quart de temps de la noire, la triple poche,
La triple couche, c'est un huitième de temps de la noire. Et enfin, la quadruple couche, c'est un 16e du temps de la noire. Un 16e du temps de la noire. Ok? Donc, combien de noir on a besoin? Un noir, c'est un temps. Ok? Combien on a besoin pour m'égaler avec un monde? On a besoin de 4 noirs. 4 fois 1 donne 4. Donc c'est mathématique. Donc la musique c'est purement mathématique. Parce que c'est un cercle exact lié. Donc, sauf faire c'est loué. Sauf écrire c'est lié et après exécuter. Ok? Ça va au bas ou à tout, c'est lié pour exécuter. Ok? Mais 4 noirs, 4 fois 1 égale à 4. Ok? Non blanche égale à 2 tendu la noire ou bien 2 noirs. Ok, pour lui, il fait même valeur avec mon nom, il a besoin de blanches. Deux blanches pour yon monde. Deux blanches pour yon monde. Et ça fait valeur de tout ça, yo. Les subdivisions de la ronde. Ok, les subdivisions de la ronde. Mais tout en fonction du temps de la noire. Ok. Et voilà. Combien de couches m'a besoin pour m'égaler en ronde? Combien de couches m'a besoin? 8 couches. 8 fois 1 demi, 4. Combien de double couches m'a besoin pour une ronde? M'a besoin 16. 16 fois 1 quart, 4. Ok? Combien de triple couches m'a besoin pour une ronde? C'est 32. Parce que d'après tableau, ça les dit tout. Ça a besoin qu'on ait. D'après tableau, ça les dit chaque forme, ou bien chaque forme de note. Ok? Ou bien chaque figure du temps qu'on voit là. Ok? Il y a une valeur double de celle qui la suit. Ok? Il y a une valeur double de celle qui la suit. Et donc, chaque sac vient avant vaut deux fois sac vient après là. Donc, pour qu'on connaisse ça. Donc, il y a vos deux blanches, une blanche, vos deux noirs, un noir, vos deux couches, une couche, vos deux double couches, une double couche, vos deux triple couches, une triple couche, vos deux quadruple couches. Ok? Donc, si un triple couche, vos deux quadruple couches, donc si j'ai 32 triple couches pour un monde, et un triple couche, vos deux quadruple couches, donc pour un monde, j'ai gagné 64 quadruple couches. Ok? Exécution, yo. Comment exécuter? Regardez bien. Si je mets un mouvement métronomique comme ça, avec bit là, avec BPM ça, BPM est égal à 60. Ok, ou bien mouvement métronomique est égal à 60, c'est 60 BPM. 60 BPM ou bien 60 battements par minute, ou bien 60 bits par minute. Ok? Là, on connaît que automatiquement, noir là, égal à une seconde. Durée, c'est une seconde. Si durée, c'est une seconde, là, on a bien deux secondes. Là, on a bien quatre secondes. Pas bien figure, il représente à la fois battement, toucher, et puis la durée de la touche. Figure ça, yo. Les figures du temps non communs que vous avez partout dans le monde, il y a les figures de notes. Ok? Mais ce sont les figures du temps. Parce que vous représentez directement la durée des sons. Ok. Si un noir vaut un temps, un coche vaut un demi-temps. Parce que le coche c'est moitié noir là, moitié ça qui vient après là. Un demi-seconde. Et double couche, c'est un quart du temps de la noire. Donc, avec là, un quart de seconde.
Triple gauche, ça c'est un huitième du temps de la noire, la pédale là, un huitième de seconde. Un huitième de seconde. Quand double gauche, la pédale là, un seizième du temps de la noire, la pédale là, un seizième de seconde. Un seizième de seconde. Donc pour noir là, pour rond là, c'est un battement. Un battement, ils ont touché. Et puis, ma kembel jusqu'à ce que 4 secondes passent. Vous voyez, une seule fois. Et puis, jusqu'à ce que je me tente 4 secondes passent. OK? Yon on se yon battement, cap duré, yon touché. 1, 2, 3, 4. Je kembel son jusqu'à ce que 4 secondes passent. Avec BPM ça. OK? Blanche même, c'est yon battement, cap duré 2 secondes. A frappé yon fois, mais duré, frappe c'est 2 secondes. Ok? Avec Blanchant. Yon battement cap dure 2 secondes. Avec nous là, c'est yon battement cap dure 1 seconde. 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons 4 noirs pour 4 secondes. Ok? Pendant que Cochon lui-même, c'est 2 battements pour 1 seconde. Et ça fait dire 1 demi-temps de la noire. Donc, pour 1 seconde, j'ai besoin de Cochon. 1 et 6 secondes. Là, tombé comme ça. Ok? Seconde a tombé comme ça. Donc, pour deux couches, ma bien. Un et. Ouais. Un et. Ok? Un et. Ouais. Un et. Donc, pour 4 secondes, ma bien. 8 couches. À raison de 2 couches par seconde. Ma bien. Un et. Deux et. Trois et. Quatre et. Ok? Donc ça veut faire comprendre faire faire la caille. Donc c'est dans faire yo garantie yo rapide rapide ou après ou pour le ouais résultat. OK, rapide rapide ou pour le ouais résultat. OK. Cochon c'est 2 battements pour 1 seconde. Double cochon c'est 4 battements dans 1 seconde. 1 2 3 4 5 ouais. 1 seconde là. Ok, 6 secondes comme ça. Double crochet, c'est 4 points en seconde. Ouais. Ok, donc c'est 4 pour 1 seconde. C'est 4 battements pour 1 seconde. C'est-à-dire que triple crochet lui-même, c'est 8 pour 1 seconde. Et ça fait exécution en triple crochet. Il n'est pas facile, donc ça veut dire. Et exécution pas difficile, mais c'est 8 battements dans une seule seconde. Ouais, c'est 8 battements dans une seule seconde. C'est 8 battements dans une seule seconde. Ok? Ok? Ouais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok? C'est 8 dans une seule seconde. Il y a 8 battements qui passent dans une seconde avec et triple couche. Mais quoi, double couche, c'est la même exécution difficile et impossible, même dans le programme musique que nous voyons, programme musical et logiciel. Ok? Pourquoi vous ne mettez pas quadruple crochet? Parce que quadruple crochet, c'est 16 battements dans une seule seconde. C'est 16 battements par seconde. Donc 16 battements par seconde, les d'exécution difficile, même pour le système informatique. Ok? Donc vous passez 16 battements dans une seule seconde. Donc vous seulement entendez pour bien, après ça, tout très sûr, vous pouvez entendre. Ok? Vous seulement entendez pour bien. Mais tout très sûr, vous pouvez attendre. Donc, exécution difficile, même n'ayant à vitesse normale. Ça, c'est à vitesse normale. Hein? À vitesse normale. OK? OK. Donc, ça, on comprend ça. On lance un battement 4 jeux 4. On frappe une seule fois. Excusez-moi.
monde là, on frappe une seule fois, mais il faut après la durée 4 secondes. Frappe une seule fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, de mettre son note tout à fait avec voix ou bien de mettre son note tout à fait sur n'importe quel instrument. Donc, son, faut le faire pendant 4 temps. Même Jean pour Blanchard, un seul battement pendant 2 temps. Non, là, un seul battement dans une seule seconde. Couche là, c'est deux battements dans une seule seconde. Avec mouvement métronomique, ça. Ok? Ok? Parce que depuis mouvement métronomique a changé, tout ça a changé. Mais ça a été fixe. Ok? Parce que toujours gagne deux blanches pour une ronde. Ok? Toujours gagne deux blanches pour une ronde. Une ronde, toujours gagne deux blanches à la donne. Une ronde, toujours gagne quatre noirs à la donne. Ok? Noir là, toujours représenté. Et la quatrième partie de la ronde. Ok? Couche a toujours représenté la huitième partie de la ronde. Parce que bien, huit lits dans une ronde. Ok? Double couche a toujours représenté la 16e partie de la ronde. Parce que bien, 16 lits dans une ronde. Triple couche a toujours représenté la 32e partie de la ronde. Parce que bien, parce que le lit, c'est un huitième du temps de la noire. Et quoi, double couche a? Ainsi de suite, 64e partie de la ronde. Ok? Donc, pour chasser deux battements par seconde, ou bien deux battements dans un temps de la noire, pour chasser quatre battements dans un temps de la noire, ok? Triple pour chasser huit battements dans un temps de la noire, et quadruple pour chasser 60, et c'est 16 battements. Double coucha, c'est quatre battements dans un temps de la noire. Coucha, c'est deux battements dans un temps de la noire. Double coucha, c'est quatre battements dans un temps de la noire. Triple coucha, c'est huit battements dans un temps de la noire. Et quadruple coucha, c'est 16 battements dans un temps de la noire. Ok? Donc, il faut que nous comprenions comme ça. Et puis après, nous pourrons faire quelques exercices rythmiques. Ok? Là, nous pourrons faire. Et elle va faire valeur des notes. Valeur des notes. Ok? Nous sommes une définition musique là. Nous avons un mouvement métronomique. Et puis nous avons une subdivision. Et monde là, toute valeur lio. Et puis nous avons voilà, toute communauté de mesure pour la musique. Ok? Donc, on va avancer. Nous allons avancer avec. Valeur des notes. Ok? Qui ça dit des figures de notes? Je dis la forme ou figure de notes représente la durée des sons. La forme ou la figure de notes, ou bien les figures du temps, représentent la durée des sons. Donc, tout ça, les figures du temps. La figure du temps, ou bien en commun, figure de notes. Ok? En commun, c'est figure de notes. Changer de méthode tout à l'heure, que musique c'est un langage universel, quel que soit côté passé. Donc, c'est même cette figure, c'est même cette silence que nous voulons devant, c'est même cette dièse, cette bémol, c'est nous voulons devant. Ok? Donc, c'est même langage là, dans quel que soit pays. Même si vous êtes capable de gagner une gamme, pa yo, parce que chaque pays n'a pas la même gamme. Ok? Ok? Ou bien chaque continent n'a pas la même gamme. Et vous n'avez pas la même forme de musique. Pour une musique différente. Musique chinoise pour différente. Avec musique égyptienne. Même genre pour être différent. De musique française, même genre pour différent de musique américaine, même genre pour différent de musique africaine. Ok? Donc chaque pays gagne musique payo. Ou bien chaque continent, tout, on gagne musique payo, forme de musique payo et gamme payo. Ok? Gamme plus utilisé. Ok? Donc ça, mais ça c'est fini là, avec les petits parties ça, pour la noire communauté de temps. Ok? Et les figures du temps. Donc, c'est fini là avec les figures du temps.
Ok, donc ces valeurs ça. Donc, à avancer. Et donc ces valeurs ça, valeur chaque figure. Donc, et prochainement nous voir les valeurs des notes. La valeur des notes. Les valeurs des notes. Okay. Les valeurs des figures des notes. Thank you.
Thank you.